J'étais chef de classe. Et le prof d'EPS m'appelle et dit, écoute chef, on a deux nombreux votés qui devraient être, qui devraient avoir lieu. Mais je ne pourrais pas. Je suis occupé pour former tes amis. Et je pars en face, je pose une question. Évidemment, vous connaissez la mentalité éternelle, c'est toujours leur ami. C'est la même chose. Et à ma grande surprise, c'est lui qui me suit tout le temps. Et quand est-ce qu'on voit, mais qu'est-ce qui se passe? À tel point que je lui dis, mais madame, comment peux-tu, après toutes les autres matières déjà excellentes que tu domines, venir piquer des points avec mon ami? Alors, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les anecdotes que vous auriez entendues aujourd'hui, comme vous m'affirmez le jour, l'intelligence de Jésus et celui pour qui tous les groupes vous êtes donné rendez-vous aujourd'hui dans cette messe religieuse. Ça. Le diable était sur le droit de le meilleur temps. Tigane, c'est un homme général, mais c'était aussi notre arme fatale. Lorsque nous étions là, on nous disait, ah, pardon, madame, le lycée Bonny Fédé, il y a une jeune fille qui est arrivée, mais elle est très forte. Quand on était informé au lycée de la Cité, on dit, oh, c'est ça. Quand l'occasion de se présenter, on ne sait pas ce qu'on s'est perdu. Dans le lycée technique, il y a. Oui, pas de plan. National, c'était Tidjan Tian. Et nous, on était sûr que notre nom, comme on dit à l'habitant, allait sortir. Voilà. C'était le fédéral. À travers la voie d'autre, nous sommes là pour exprimer, mais d'abord, toute notre gratitude. Gratitude à la famille Tian. Gratitude à la famille Moussou-Wayne. De nous avoir donné à nous la promotion de Denis Tigal Tian. Pas seulement à nous, mais on pourrait dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, d'avoir donné Tigal Tian à la continuité. Mais nous voudrions aussi ici présenter votre gratitude à vous tous. Militants et militantes du PDCI RGA en ces jours. Vous qui avez fait le choix de miser sur le meilleur parmi nous, le champion de notre promotion, comme votre cheval de bataille, comme votre nouveau leader pour conquérir les nouveaux lauriers. Que vous dire, vous demander, après un tel choix, juste, qu'avec sa promotion, il a été et demeure rapport général. Et ensuite, vous dire, au moment où vous vous apprêtez à aller porter la bonne nouvelle de ce que vous avez porté votre choix sur le ministre Tian, dans toutes les contrées de notre beau pays, nous vous demandons de le faire avec l'humilité, la capacité d'écoute, le sens de la mesure et la justesse qui ont toujours caractérisé notre chambre. Oui, je veux dire qu'il a un homme. Oui, il est compétent. Et oui, le ministre Tian Tian est doté d'un leadership reconnu. Un leadership pas seulement d'ailleurs qu'il a démontré, mais un leadership qui impacte. Et ça, c'est important. Pour nous, c'est professionnel. En plus d'être un génie, il est la perle que le monde entier a considéré à travers son parcours professionnel. Nul besoin de revenir sur ce parcours aussi. Un parcours aussi riche et inspirant pour les jeunes générations à travers le monde. Je vous permets cette perle qui, après avoir marqué à l'international, a choisi de se mettre à votre service, à notre service.
Et vous, vous avez le devoir. Mais surtout le pouvoir de faire davantage. De faire briller cette perte davantage pour le rayonnement du bénéficiaire. À toi, très cher président, au nom de la promotion, nous te disons merci pour le flambeau de la promotion que tu portes si haut depuis tant d'années avec une maestria et un leadership inégal. Nous t'exprimons notre administration et notre admiration qui n'a cessé de croître depuis nos années de sécurité. Et te disons encore toute notre fierté. Nous n'avons aucun doute qu'un ambassadeur avisé, stratégiste hors pair, et un véritable homme de défi, tu sauras une fois de plus impacter positivement ta formation politique de PDCI-RDA à côté de l'Église en 2023. Et lui a donné cette nouvelle impulsion pour en faire un des partis les plus modernes, une véritable plateforme des plus compétitifs prêts à gagner d'importantes batailles dans le futur. Merci beaucoup. Et comme tu le sais, nous devons ensemble, comme au beau jour de notre tendre et joyeuse adolescence des lycéens, nous nous ouvrons de la profonde amitié, de la fraternité que tu portes à chacun et à chacune des membres de la promotion. Quand il manque un jour, quand il manque toujours, chez les Caïmans, il n'y a pas de trahison. Vive la Côte d'Ivoire, que l'air finit et son frère de vivre.